Et salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va plutôt très bien. Donc tout d'abord, vous pouvez voir que le décor a complètement changé. Je suis toujours chez moi, vous inquiétez pas pour ça. J'ai juste changé la pièce en fait, j'avais dit que je changerais ça. Donc j'espère qu'au niveau de l'audio, ça sera un peu mieux. Donc je suis en train de démonter mon bureau. Au niveau de l'éclairage, ça devrait être pas trop mal. Peut-être que j'aurai 2-3 réglages à faire au niveau de l'éclairage. Enfin bref, j'espère que ça vous plaira. On est sur le jeu Medal of Honor Bataille du Pacifique. En plus, il y a du bruit. Donc je crois que c'est... Alors, je me suis pas du tout renseigné sur le jeu. Tout ce que je sais, qu'en fait, c'est qu'il était gratuit sur Origin. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas. Ce serait bien qu'il arrête de parler, par contre, le monsieur, parce qu'il commence à me gonfler. On va faire ça pour l'instant. Voilà, merci. Donc je m'en vais baisser un petit peu. Je me suis pas renseigné sur le jeu. Je pense que c'est un vieux jeu, parce que Medal of Honor, normalement, c'est un vieux jeu. Et puis au niveau de la qualité, c'est bidon. Au niveau de la résolution, le maximum c'était 1366 et quelques par 700 et quelques. Mon écran c'est du 1080p, donc ben, du coup mon écran est un peu étendu, mais bon, c'est pas grave. On va quand même jouer, donc jouer solo. Alors je suis pas du tout adepte. Je sais pas si c'est vraiment un FPS de ce type de jeu sur PC, parce que moi je suis plus console pour ce type de jeu du moins. Donc écoutez, si je suis pas très bon, ne m'en voulez pas. On va essayer de faire, je vais essayer de faire du mieux que je peux, donc je vais jouer un moyen. Faut pas déconner. Et on commence, c'est parti. Donc je mets le chrono, ce serait plutôt bien à mon avis aussi. Donc on repart sur des petites vidéos de 15 minutes. C'est pas trop long, pas trop court comme d'habitude. Si vous souhaitez des vidéos un peu plus longues, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît ce type de vidéo. Comme ça, je suis au courant. Et voilà, du coup, c'est parti. Allez. Le jour J, atoll de Tarawa. Le 20 novembre 1943, donc la Deuxième Guerre mondiale. Jap à 2 km à la ronde. Je ne compterais pas dessus si j'étais toi. Si vous avez envie de gerber les bleus, je vous conseille de le faire tout de suite. Les 3 semaines. C'est comme ça qu'on appelait la bleusaille. 3 semaines de classe, ça suffisait pas. Ils faisaient pas de vieux os la plupart du temps. Les classes ou les biscottos, ça a aucune importance en fait. Quand on fait le premier combat, ça vous change un homme. Tarawa, c'est jamais qu'un morceau de sable au milieu de nulle part. Mais pour pas mal de monde, ce sera le terminus. Tommy, on se retrouve sur la plage! Alors, souris pour tirer, il faut tirer sur quoi? Ok. Sur eux? Oui, machin, je vais baisser le machin. Enfin, j'espère. Attends, non, je peux quand même, c'est pas. Je vais tirer sur mes alliés, les gars. Alors, comme je l'ai dit, si je suis pas très bon, vous ne m'en voulez pas. C'est pas du tout mon type de jeu. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, parce que si je mordais le début, ce serait un peu con, hein, c'est fait exprès. Alors. Il n'y a pas du tout pour tirer. Il n'y a pas de... Ah d'accord, il n'y a pas de... Alors en fait, je jouais à ce type de jeu sur la PS2 à l'époque, donc ça remonte un peu. Un peu couru ou pas? Je vais courir, ça continue. On peut pas courir? Non, mais on peut aller là-haut, ça fait attention. C'est bien, on se fait tirer dessus, mais on peut pas le toucher quoi de là-bas. On n'a pas des snipers.
La grenade. La grenade. Ah, voilà. Tu l'as pas pété d'ailleurs. Une grenade foreuse. Allez, la chance. Le mec est plutôt en fait invincible, vous l'avez vu, je lui ai tiré dessus, mais il a fait rien à foutre. Ok, bon. C'est la merde. Ah! Bon, attends, il faut vraiment que je regarde les contrôles parce que c'est horrible. Non, c'est pas ça que je voulais faire, revenir à la base, non. Option. Commande, alors, viser, ok. Ah, ben c'est. Ah, c'est Alt gauche qui sont complètement malades. Alt gauche. Je vais essayer, ok. Recharger, ouais, ça, pas de souci. Avancer, reculer, marcher. Toujours courir, c'est ok. Marcher, j'aimerais bien plutôt mettre ça. Non, ça et ça, comme ça. C'est con, quoi. Je vais demander de mettre tout courir. Toujours courir. Mais qu'est-ce que c'est, cette connerie? Ah, mais du coup, il m'a enlevé mon contrôle. Ah, con. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Il m'a enlevé mon contrôle pour tirer. Attaque principale. Ah, fais attention au niveau des balles parce que je sais très bien que sur ce type de jeu on se retrouve vite à court de munitions. Je sais que j'ai des problèmes sur la PS2, mais j'imagine que c'est mieux problème sur ça. Est-ce qu'on a des grenades? Ouais, on a des grenades. Wow, 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 wow. On va plus utiliser les mains parce qu'en fait. Wow. Ok, la coupe fusée à pompe, je respecte tout. Et en fait, il faut prendre quelque chose ou il faut juste temporiser pour l'instant. Dépêche-toi. Pourquoi? Je ne sais plus. Voilà, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais c'est bon, tu peux. Voilà. Enfin, j'ai compris, il était moi. Bon, à rien. Tête bonneux. Ah, okay. Sale punaise. Voilà le genre d'amabilité que me réservait mon bien-aimé instructeur pendant l'été 41. Ah, ouais, ok, plutôt violent, quoi. Avant, mon problème c'était de livrer les épiceries en essayant de ne pas casser les œufs. Maintenant, dès que je tourne la tête, un foutu Jap essaie de me plomber. Je me souviens avoir demandé à l'officier recruteur « C'est quoi votre problème, les gars ?» Je jure devant Dieu qu'il m'a répondu « Un problème ? On est des Marines, fiston. Nous, on donne l'exemple. J'étais dans le train pour San Diego. C'est tout ce dont je me rappelle. Je rejoignais le corps. Le camp d'entraînement. » On s'aligne. Hé, hey, vous comprenez ce que je dis? Au début, il y avait Dieu. Le reste n'était que ténèbres. Puis Dieu a créé le ciel et la terre. Il a divisé le monde entre terre et mer. Et il y a foutu un tas de bestioles. Celles toutes visqueuses de l'océan, Dieu les a appelées les marins, et il leur a donné la tronche que vous savez. Celles qui volaient, il a appelé ça des aviateurs, et il leur a fourgué des sacs à patates en guise de treillis. Les créatures terrestres, Dieu les a appelées des soldats. Il leur a refilé des bénards trop courts, des galurins trop longs,
et des poches pour se réchauffer les pognes. Le septième jour, comme vous le savez, il s'est reposé. Le huitième jour, quand il a regardé la Terre à 5h du mat, il a fait la gueule. Dieu était pas content. Il s'est creusé un peu, et dans sa grande sagesse, il a pondu une créature divine, qu'il a appelée le Marine. Ces Marines, que Dieu a voulu à son image, devaient se taper à la fois l'air, la terre et la mer. Là-dessus, il aura refilé des treillis très pratiques pour qu'il puisse botter le cul à Satan et à toute sa clique. Il aura aussi donné des uniformes qui en jettent pour courir la greluche le samedi soir et en foutre plein la vue. À la fin du huitième jour, il a jeté un coup d'œil à la terre et il s'est dit que ça avait de la gueule. Mais est-ce que Dieu était content? Non! Parce que pendant qu'il trimait, il a oublié quelque chose. Se tailler un costard des Marines! Il a réparé cette erreur et s'est fait ce petit plaisir, même s'il savait que tout le monde ne peut pas être un Marine. Me v'là donc un peu au-dessus de Dieu, parce que moi, j'en suis un de Marine! Souvenez-vous-en, et tout se passera bien. Maintenant, tas de punaises! Vous avez exactement 3 minutes pour vous aligner dehors, au trot! Ouh, il me fout les jetons, Franck. Tu le vois, en bon Dieu? Tiens-toi à carreau, Jimmy. Fais ce qu'il te dit et t'auras pas affaire à lui. Willy, tu viens? Ouais, j'arrive. Hey, Tommy, c'est ça? Tommy Conlin? Je m'appelle Willy Gaines. Et eux, c'est Frank Minoso et Jimmy Sullivan. T'es d'où, vieux? De l'Oregon, et vous? Allons-y, les gars. Sinon, le bon Dieu va nous faire une syncope. Aujourd'hui, on va faire le tri entre les mâles et les fifilles. Vous allez apprendre les rudiments de la survie au combat, bande d'affreux. Et alors, peut-être, je dis bien peut-être, que vous intégrerez le corps... Alors aussi, je suis navré, vous n'avez plus de la vidéo, tout simplement parce qu'en fait, la batterie a décédé en plein enregistrement. Donc, elle est en train de recharger. J'espère que le début aura pu être enregistré. Normalement, oui. Mais bon, voilà. Moi je me suis hein. J'aimerais même pour avancer moi. Ah ok, faut j'appuie juste une fois sur majuscule en fait. Ah, les graphismes ça pille vraiment les yeux, par contre je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Mais bon, on aime ça quand même, c'est Medal of Honor, ça rappelle l'enfance, ça rappelle les bons souvenirs, donc que du bonheur. Ah, faut que j'attende, c'est ça? Ok. Quand vous serez au combat, vous allez devoir passer au-dessus, en dessous ou à travers tout un tas d'obstacles. On va vous montrer sur ce parcours comment... Ok, gros! Si vous êtes pas d'accord, vous pouvez retourner Fissa chez papa et maman. Ok, allez, salut! Ah, d'accord. Alors, faites comme je le dis et bouclez-la! Oui? Oui, chef. Ah merde, j'ai pas défini la touche pour m'accroupir, ça c'est plutôt con. S'accroupir immédiatement. Alors non défini. On va mettre ça sur. Je vais mettre ça sur quoi? Sur Q. Ok. Vous avez devant vous la bouche spéciale Marines. Dites-vous que c'est bon pour la peau.
Putain, mais... C'est bizarre qu'il court pas comme jeu. Oh! Qu'est-ce que c'est ce bordel? Z. Ok. Oh, ils tirent, ils sont malades. Putain, le mec qui monte à l'échelle, il est plutôt galère, quoi. Moi, je m'en fous, moi, je... Ah, merde. On va pas retirer? Ok, putain, faut les attendre. Oh, les bâtards. Mais putain, mais barre-toi. Je te ken, moi. Oh! Sergent, excusez-moi. On s'excuse pas. On continue d'en foutre plein la tronche. Même par terre? Qu'est-ce que vous regardez, Mauguet? Non, mais mec. Je pourrais peut-être faire quelque chose de vous. Faut que je continue ou pas? Ah, voilà. Et donc nous on va s'arrêter là au niveau de la vidéo, ça fait à peu près 15 minutes, j'espère en tout cas que ça vous a plu ce type de vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter si vous avez des réactions à faire par rapport à la vidéo, et je donne rendez-vous du coup pour le deuxième épisode de Medal of Honor, la bataille du Pacifique, je dis pas de bêtises, normalement c'est bien ça. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui viennent découvrir la chaîne, c'était Tinimos, ciao tout le monde, bye bye.